Ken veut dire en arabe, jadis, il était une fois. Donc, c'est finalement, donc, c'est pas du tout un projet nostalgie. Au contraire, c'est un projet très futuriste. Et il était une fois, mais pour nous, c'est un conte. On raconte notre histoire, notre patrimoine, notre civilisation tunisienne. Sur la route littorale menant vers le sud tunisien, se dressent deux monuments qui témoignent de l'opulence passée de la région. La coupole blanche de la Zaouïa de Sidi Khalifa et l'arc de triomphe de l'antique Ferhadi Majus. C'est non loin de ces sites, près de Sousse, que Slasmaoui et son épouse ont choisi d'implanter leur village, Ken, en guise de réappropriation d'un patrimoine tunisien pluriel. Dans des maisons et des bâtiments à l'architecture traditionnelle, qui allie la pureté des lignes et l'esthétisme des formes à l'économie des moyens, le village regroupe différents ateliers de métiers tendant à disparaître. La première unité réalisée est consacrée à la menuiserie et au bois peint et sculpté. Le démarrage de cette expérience-là date de 85, ça fait déjà quand même une quinzaine d'années, mais c'est une idée que j'avais en tête depuis plus longtemps, depuis que j'étais étudiant encore. Je faisais mes études d'ingénieur génie civil en France. Donc lorsque je suis rentré en Tunisie, j'ai commencé une carrière professionnelle en entreprise de travaux publics, et après, bon, j'ai décidé d'entreprendre cette expérience. Parce que je considérais qu'il y avait un grand problème au niveau du patrimoine national tunisien, à commencer par le bâti, donc l'architecture et les cités, et tout ce qui tourne autour du mode de vie. Donc c'est une expérience qui s'inspire d'abord du patrimoine et qui a pour objectif de réhabiliter le patrimoine pour lui donner un nouvel élan.
considérer que l'artisanat était un petit peu en déperdition. Là aussi, avec cette tendance moderniste des choses. Donc, comment réhabiliter de l'artisanat? J'ai trouvé donc ma propre démarche. On ne peut réhabiliter de l'artisanat qu'en le rehaussant au niveau de métiers d'art. Et du coup, donc, on traite à Ken, donc pas les métiers d'artisanat, mais les métiers d'art. Alors, par exemple, au niveau de l'ébénisterie, on a créé toute une ligne de mobilier Ken, inspirée certes du patrimoine, mais très moderne en même temps. Le village de Ken est un village et une initiative à vocation multiple. C'est un village symbole, symbole d'une identité retrouvée. C'est aussi un village école. Slasmawi estime qu'il est grand temps pour des jeunes qui ont quelque peu perdu leurs repères de se réapprendre et de se reconnaître. Au village, ils assureront la relève après avoir fait leur ces métiers en voie de disparition. Ken est enfin un village futur, car le progrès ne se projette qu'en plongeant ses racines dans le passé. Au niveau du tissage, on a utilisé les techniques anciennes et les métiers traditionnels, tout simple, donc la technologie ancestrale. Et on fabrique avec ces métiers-là, avec ces techniques-là, des tissus de très très haute gamme. Et actuellement, on est sur le point de lancer une griffe haute couture Ken, à partir donc de ces tissages-là, avec l'aide de stylistes et modélistes tunisiens. C'est un espace qui est ouvert à tous les créateurs. Une seule condition, c'est que ces créateurs maîtrisent leur patrimoine. L'essentiel, c'est qu'on ait des racines, on part de quelque chose, on ne part pas du néant.
Je suis complètement contre l'idéologie de la rupture au niveau de la création. On ne veut pas créer à partir du néant. On crée à partir de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a... Donc c'est ça, globalement, la démarche. Et comme je ne suis pas du tout, je n'ai pas fait une formation artistique, donc je suis autodidacte, je m'exprime très très mal. Donc j'ai une démarche beaucoup plus rationnelle, scientifique, qu'une démarche philosophique dans ce que je fais ici à Caen.